très content d'être ici, d'avoir l'opportunité de vous présenter ma démarche, de vous présenter mon combat et éventuellement de dissiper certains malentendus quant à la perception que les professionnels peuvent avoir de ce que je fais justement. Puisque c'est un sujet assez polémique, on va parler de plagiat, de pompe, de copie, de contrefaçon, de manque d'originalité. Et première des choses, évidemment, je vais vous expliquer pourquoi je suis devant vous en cagoule, parce que c'est vrai que c'est très bizarre quand même d'avoir un conférencier qui vient masqué et qui ne montre pas son visage. Alors principalement, pourquoi ce mystère ? Principalement pour deux raisons. La première... c'est que, justement, comme je vous disais, c'est un sujet assez polémique. C'est un sujet dont les agences de publicité aimeraient finalement ne pas parler. C'est quelque chose qu'ils aimeraient, qu'on n'aime pas trop évoquer, parce que ça touche vraiment au cœur de notre métier et ça en montre des mauvais aspects. Et donc j'ai reçu des menaces. Il y a des gens au début de ma démarche qui n'ont pas très bien compris ce que je faisais, qui ont cru que c'était une vengeance personnelle, que j'avais envie de nuire à certaines agences. Puisque au début sur mon site il n'y avait pas énormément d'exemples et donc j'ai reçu des menaces, alors menaces de me griller dans le métier, menaces de venir me casser la gueule et je me suis dit oulala mais pourquoi j'ai choisi ce sujet, si j'ai envie de continuer à le traiter, de faire ça librement et calmement, c'est mieux de pas me mettre en avant, de pas dire qui je suis. Et puis d'où est né ce personnage masqué. Et deuxième raison, c'est que dans la publicité c'est un milieu où on rencontre énormément d'égos surdimensionnés, de gens qui aiment beaucoup se mettre en avant, avant même de mettre en avant le travail qu'ils font, quoi. Et également dans le milieu des blogueurs, en fait. Il y a beaucoup de blogueurs qui sont des blogueurs stars et puis qui aiment bien montrer leur tronche. Et moi, je suis quelqu'un d'assez discret, d'assez humble, d'assez low profile. Et je préfère qu'on s'intéresse à ma démarche plutôt qu'à ma personne. En fait, le plus gros mystère ici, j'aimerais que ce ne soit pas de savoir qui je suis, qui est derrière cette cagoule, mais pourquoi est-ce qu'on a autant de plagiat dans la publicité ? Comment ça se fait que depuis 18 ans, j'épingle des plagiats et que j'en ai épinglé des milliers ? Ça, c'est le vrai mystère. Alors, première slide, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une photo des Creative Mornings, pour ceux qui étaient là, à suivre avec John Egarty. Et c'était très précisément la tête qu'il a fait, la grimace qu'il a fait au moment précis où quelqu'un lui a posé une question sur l'originalité des idées et sur cette problématique du plagiat. Et je vous assure que ce n'est pas de la triche, vous pouvez regarder la vidéo et c'est exactement ça. Et ça montre bien en fait que c'est un sujet qui fait réagir, c'est pas un sujet qui laisse indifférent, moi c'est ça qui m'intéresse, et c'est un sujet qui les emmerde vraiment. Il était très embêté, il a très bien répondu à cette question, et on va revenir un peu sur la manière dont il y a répondu par la suite, mais en tout cas, là c'est la preuve vivante que c'est un sujet qui est polémique, qui est intéressant. Alors c'est un sujet qui évidemment va au-delà de la publicité, c'est un sujet qui touche à... toutes les formes de création dans la communication, dans les arts graphiques, dans l'édition, dans le packaging, dans le logotype, dans le design de site internet. Moi, comme Alexandra vous a dit, j'ai travaillé en agence de publicité, j'étais créatif en agence de publicité, donc ce que je connais le mieux, ce qui m'intéresse le plus, c'est la publicité, et j'ai décidé, comme je fais ce blog tout seul, de traiter uniquement la publicité, parce que c'est tellement vaste, c'est déjà même rien que la publicité assez difficile de recenser tous les plagiats, donc je vais m'arrêter uniquement à ça. Alors pour commencer, c'est intéressant aussi de voir quelle est la définition du mot plagiat. C'est s'approprier le travail créatif de quelqu'un et le présenter comme le sien. Donc ça, tout le monde est à peu près au courant de ça, tout le monde est conscient de ça. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est qu'il peut être de deux formes. Il peut être intentionnel, c'est de la fraude, de la triche, c'est ce qu'on connaît. Et il peut être accidentel, c'est-à-dire par ignorance, par naïveté. C'est-à-dire on fait une idée, on ne l'a pas copiée, on l'a sortie de notre propre tête, pourtant elle existe déjà. Eh bien, suivant la définition du dictionnaire, ce n'est pas moi qui l'invente, ça peut aussi être considéré comme un plagiat. On aurait dû vérifier que ça existe déjà ou pas. Alors comment j'ai commencé ? Pourquoi j'ai commencé ça ? Il y a un certain nombre d'exemples qui ont éveillé ma curiosité. Et à un moment donné, je travaillais dans l'agence qui a conçu la campagne de droite, Perrier. C'était au début des années 2000. Et c'est une campagne dont l'agence était vraiment très fière, une campagne qui a eu des récompenses, qui a été primée au Club des AD, à Cannes aussi, je crois. Et quand on allait voir le directeur de création, il l'avait affiché en gros dans son bureau.
Et c'était vraiment la référence, quoi. C'était, les gars, voilà le niveau de créativité qu'il faut avoir, voilà vers quoi il faut aller. Et à chaque fois qu'on lui amenait une idée, il comparait ça à ça. Voilà, voilà le niveau de simplicité, de minimalisme, d'intelligence qu'il faut atteindre. Et un jour, alors que moi j'étais assistant, et puis j'attendais le directeur artistique qui a travaillé sur cette campagne. C'était un senior dans l'agence, il était très respecté. Moi j'admirais beaucoup son travail et son parcours. Et en feuilletant des magazines, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de ressources. Bon, c'est en 2000, ce n'est pas la préhistoire, mais il n'y avait pas autant de ressources en ligne qu'il y a aujourd'hui. Et les DA, ils s'inspiraient essentiellement de magazines, de revues, de bouquins. Il en avait énormément dans son bureau. Et en feuilletant un magazine, je tombe sur la pub de gauche, qui est une pub pour une bière. C'est une pub pour la Bat. Et c'est une pub anglaise, là. Je me suis trompé sur la légende. Et c'est exactement la même chose, c'est exactement la même idée. C'est-à-dire, ça rafraîchit tellement que finalement, même en plein été, vous mettez un maillot doudoune et vous êtes rafraîchi, etc. C'était vraiment hyper identique. Et je me suis dit, mince, mais comment ça se fait? Comment c'est possible? Est-ce qu'il a copié? Est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il ne s'est pas rappelé qu'il avait déjà vu ça? Est-ce qu'il a eu la même idée? Bref, ça m'a posé plein de questions et je me suis dit, mais si lui, qui est censé être hyper créatif, etc., finalement, il fait des choses pas si créatives, c'est quelque chose qui doit se produire à d'autres moments. Et c'est une question qui revenait très fréquemment en réunion de création. On amène des idées et le directeur de création, quand il ne veut pas retenir l'idée, la manière la plus facile de l'éjecter en général, c'est de dire bah, « ça c'est du déjà vu ». Parce que ça met fin à toute discussion, on ne peut pas tellement argumenter après, ce n'est pas notre intérêt de refaire des choses qui ont déjà été faites. Mais quand on lui demandait où est-ce que ça a déjà été fait, c'était hyper rare qu'il arrive à nous dire à tel endroit, à tel moment. On ne pouvait pas retrouver les choses sur Internet. En plus, il n'y avait pas, avant les années 2000, il n'y avait absolument aucune ressource en ligne conséquente. On était obligé de se fier au directeur de création, à son expérience. Donc moi, j'ai pris ça comme un défi, comme un jeu. Je me suis dit, bon, on va voir si les choses, elles ont déjà été faites. On va voir où elles ont déjà été faites, comment. Je me suis mis à collectionner énormément de livres, énormément de revues, et puis à faire un espèce de sorte de jeu de mémoire géant où je me suis mis à retrouver les choses. Et j'en ai trouvé une, j'en ai trouvé deux, j'en ai trouvé trois. Et finalement, sur des campagnes primées, des campagnes... Parce que ce qui est intéressant de dire, c'est que je ne m'attaque pas à la publicité lambda, à la publicité comme vous pouvez voir à la télé, où 90% des choses ne sont même pas créatives, ou ne sont pas présentées comme créatives, n'ont pas d'ambition créative. Moi, je vais m'attaquer plutôt à des choses qui sont présentées comme originales, vendues comme originales très chères souvent à des clients, qui sont envoyées à des festivals de pub, et puis qui en réalité ne sont pas originales. Donc mon site, il se présente comme ça. Depuis le début, il se présente toujours à peu près de la même manière. Ça fait 18 ans que je mets des choses face à face, des campagnes face à face, qui n'avaient pas du tout vocation à se retrouver côte à côte, et qui ont la même idée publicitaire, mais qui ont été faites à des époques différentes, dans des pays différents, par des créatifs différents. Et voilà, donc toute la question, c'est de savoir est-ce que c'est des copies, pas des copies, est-ce que c'est des plagiats volontaires, involontaires. Alors, j'essaye de pas être juge. Au départ, quand j'ai commencé le site, j'avais fait une grosse erreur. J'avais mis sur celle de gauche, j'avais mis l'original. Sur celle de droite, j'avais marqué la copie. Et puis j'ai appelé mon site Joe la pompe. Parce que pour moi, c'était uniquement une question de pompe. Et je n'avais pas encore tellement assez réfléchi au sujet. Alors le nom, il est resté, Joe la pompe, parce que c'était une expression en fait, qui nous faisait marrer et qui était un truc qu'on entendait souvent en agence quand quelqu'un était pris la main dans le sac. C'était « Ah, bah tu pompes, Joe la pompe ». Et voilà, moi, je n'ai pas imaginé un seul instant que mon site, il allait durer 18 ans, puis qu'un jour, il allait être connu. Donc, j'ai gardé ce nom qui, aujourd'hui, est rigolo. Mais, par exemple, pour un public anglophone qui veut absolument rien dire, quoi. En fait, il pense que je m'appelle, que Joe, c'est mon vrai prénom, ou il pense que je m'appelle Joël, Joël à pompe. Bon, ça aide pas beaucoup pour le référencement, etc. Mais bon, c'est pas grave, c'est très intéressant pour une problématique de branding, mais c'est pas le sujet. Alors, aujourd'hui, j'ai changé, j'ai mis l'original point d'interrogation, parce que c'est vrai que c'est pas, j'ai aucune certitude sur le fait que c'est un original. Des fois, j'en retrouve un même antérieur avec la même idée. Et puis, moins original, parce que s'il y a une chose qui est indéniable, c'est que celle qui vient après est moins originale. Ensuite, j'ai ajouté un bouton de vote et je permets à l'internaute de voter est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que c'est un plagiat. Ce qui est très important aussi sur mon site, j'attache une énorme importance à la précision des choses, en fait. Comme c'est un sujet assez important, il y a énormément de blogs qui sont pas du tout précis dans les choses qu'ils mettent. Et donc moi, je ne mets aucun exemple tant que j'ai pas le nom de l'annonceur, de l'agence, l'année,
la source de laquelle ça provient, à quel festival de pub ça a été envoyé, et le pays. Donc vous remarquerez que tout est très bien noté. Et également, comme mon site est assez polémique, mais je ne veux pas m'arrêter à cet aspect polémique, j'ai envie que ce soit pour les créatifs une vraie ressource. Et donc tout a été trié comme une véritable archive, tout est référencé, catégorisé, disponible, mis en accès gratuit, et donc ça peut servir vraiment pour des créatifs, pour des étudiants, comme une vraie base de ressources de recherche. Alors, quels sont les différents cas que je recense sur mon site ? Très rapidement, parce que vous allez voir, c'est plus varié que ce qu'on peut imaginer. Au départ, le plagiat classique, on va dire, c'est quand deux marques du même secteur, comme c'est le cas ici, font des pubs totalement identiques. On voit ces deux pubs, on croit que c'est une suite, on croit que c'est une adaptation. En fait, il n'en est rien. C'est deux annonceurs complètement différents, c'est deux groupes pharmaceutiques différents. C'est des produits pour déboucher le nez qui débouchent tellement bien qu'on peut jouer de la flûte avec le nez. Et ils ont été produits, un en 2004, un en 2010, un par une agence Publicis en Inde et l'autre par une agence Saatchi en Pologne. Donc ça, c'est le cas voilà, classique. Flagrant. Moi, ce que j'aime bien, c'est que les choses aussi soient... Je ne vais pas épingler sur mon site des choses où il y a une vague ressemblance entre deux idées, parce que sinon, on n'en sort plus. Bon, là, c'est vraiment le cas classique. Ensuite, il y a un autre cas un peu plus étonnant, c'est quand deux publicités ont exactement la même idée, mais par contre, ce n'est pas du tout pour le même type d'annonceur. C'est des annonceurs de secteurs différents, voire des annonceurs complètement antagonistes. C'est le cas ici. Alors, l'idée visuelle, c'est la même. On croit que l'homme est enceinte, en réalité... Il a un gros bide, il a grossi parce qu'il a bu trop de bière. Et donc la première, c'était une pub anti-alcoolisme, anti-alcoolémie. Et la deuxième, c'est une pub pour un annonceur pour une bière. Donc a priori, vraiment la même idée utilisée pour deux sujets complètement différents. Troisième cas de figure aussi assez étonnant, c'est quand la même marque sort deux fois la même idée. Alors là, ça veut dire, par exemple, elle a été sortie une fois au Mexique, une fois en Australie. Ça veut dire que la marque McDonald's n'a pas forcément les moyens de connaître toutes les communications qui sortent dans tous les pays, tellement ils font tellement appel à tellement d'agences, ils sortent tellement de communications tout au long de l'année, qu'ils ont payé deux fois pour avoir la même idée. Et bon, après, en plus, évidemment, elle a été envoyée à des festivals de création deux fois, ce qui fait vraiment un cas doublement ridicule. Alors là, ce n'est pas très grave sur un cas comme celui-là, parce que vous allez me dire, ça n'a pas coûté très cher à produire, mais le même genre de cas de figure peut se passer pour des films qui ont mis des mois à être conçus, qui ont demandé énormément d'argent, énormément de temps, et ça fait des cas vraiment totalement grotesques. Et puis, dernier cas de figure, en général, je m'attaque à la pub qui copie la pub, parce que c'est ce qu'il y a de plus grotesque, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est ce qu'il y a de plus ridicule. Mais évidemment, la pub plagie, recycle, récupère des choses qui sont d'univers totalement différents à la pub. Et ça, c'est plutôt bien, à la limite, que la pub s'inspire de l'art, de la musique. C'est quelque chose de très bien. Après, il y a une limite un peu délicate entre inspiration et plagiat. Là, par exemple, sur ce cas de figure, on penche plutôt du côté du plagiat, puisque l'auteur de l'œuvre originale n'a pas été consulté pour réaliser cette opération guérilla pour UPS. Je le sais parce que l'auteur de la statue, un Américain, m'a contacté justement pour dire qu'il s'était fait voler son travail. Normalement, le truc logique, ça serait de contacter l'auteur, de lui demander de travailler avec nous et puis voilà, de le solliciter. Alors, des fois, ce qui se passe, c'est qu'il n'a pas envie ou qu'il n'a pas le temps ou qu'il est trop cher. Mais bon, en tout cas, si on est dans ces cas de figure-là, il faut qu'on arrive à faire autre chose, qu'on arrive à transformer un peu l'idée pour que ce ne soit pas un simple plagiat. Donc, quand c'est vraiment un plagiat... flagrant comme ça, je peux l'épingler aussi sur mon site. Alors, maintenant, pourquoi autant de campagnes jumelles ? Pourquoi est-ce que ça fait 18 ans que j'en épingle ? Pourquoi j'en trouve encore toutes les semaines ? À un moment donné, je me suis dit, si mon site, il est connu, et puis maintenant, il semblerait qu'il est un peu connu, que les gens soient au courant de ça en agence, je me suis dit, ce phénomène, ça va s'arrêter, les gens vont faire attention à ne pas faire des choses déjà faites, et puis, en réalité, pas du tout. En fait, chaque année, j'en trouve de plus en plus. Donc comment ça se fait? Quelles sont les raisons qui peuvent expliquer ça? Alors dans mon dernier livre, qui s'appelle Copy-Paste, j'ai recensé, on va dire, une bonne quinzaine de raisons, mais là on n'a pas le temps de les évoquer toutes, donc on va en voir juste 5 ou 6. La première, et je la mets d'abord pour l'évacuer, mais on ne peut pas passer à côté, c'est parce que la triche est une réalité. Il y a des tricheurs dans la publicité. Alors... évidemment, les publicitaires n'ont déjà pas une hyper bonne image à l'extérieur. Quand on demande les professions, on dit aux Français
dans lesquels il y a le plus d'escrocs. En général, ils citent les garagistes, les agents immobiliers, puis dans le top 10, il y a toujours les publicitaires. Donc j'ai conscience qu'on n'a pas une très bonne image. Après, maintenant, moi, j'ai travaillé dans la pub pendant plus de 15 ans. Il n'y a pas plus de tricheurs qu'ailleurs, mais il n'y en a pas moins. C'est-à-dire, il y en a aussi. J'ai assisté à des scènes et j'ai été confronté à des situations dans lesquelles des gens trichaient. Après, il y a toujours plein d'excuses à ça. C'est-à-dire, les gens ne sont pas forcément foncièrement malhonnêtes. Mais il faut voir que c'est un milieu qui est extrêmement compétitif, avec une très grosse pression, avec une concurrence exacerbée entre collègues, entre teams créatifs. On nous fout une très grosse pression pour trouver des idées dans des temps très courts. Deuxième cause qui fait qu'on voit autant de publicités identiques. Aujourd'hui, on est dans un contexte évidemment de plus en plus tendu économiquement et c'est pas rare que l'agence soit pas à même d'aller à l'encontre de ce que lui demande le client. Et j'ai assisté plusieurs fois à des demandes de clients qui disent « j'ai adoré la campagne de mon concurrent, j'ai adoré ce truc qui a marché ». En plus, quand ils voient quelque chose qui marche déjà ailleurs, ils ont plutôt tendance à demander ça. C'est-à-dire, il y a ce truc-là qui a eu un lion, c'est formidable, on n'a qu'à refaire la même chose. Comme ça, on est sûr de faire quelque chose de bien. Mais en réalité, évidemment, le rôle de l'agence, ça devrait être de dire, on a bien compris votre demande, mais on va faire ça, mais sur mesure pour vous, on va l'adapter, on va faire quelque chose de différent. Alors, une autre raison, évidemment, c'est à cause du hasard. Parfois, le hasard fait bien les choses, mais dans ces cas-là, il le fait mal. C'est-à-dire... Des milliers de créatifs dans le monde entier bossent sur les mêmes types de sujets. C'est tout à fait normal que parfois ils arrivent avec les mêmes solutions, y compris au sein d'une même agence. Quand on donne un même brief à plusieurs équipes créatives, ça nous est déjà arrivé que deux équipes arrivent avec exactement la même idée. Alors la seule chose sur mon site qui me permet moi quand je fais des recherches, d'être sûr que c'est ce cas de figure qui est arrivé, c'est quand deux publicités sortent exactement au même moment avec la même idée. Et ça arrive évidemment aussi tous les ans. Là, c'était deux publicités pour des clubs de gym, pour dire venez brûler vos calories dans le club de gym. Et ces deux publicités sont sorties vraiment à un mois d'intervalle, la même chose. Donc effectivement, là, on ne peut pas dire qu'il y ait une copie de l'une sur l'autre. Après, il peut y avoir une source d'inspiration identique, peut-être qu'au même moment, ils ont été inspirés par quelque chose qu'ils ont vu sur Internet ou quelque chose qui était dans l'air du temps. Cinquième raison, c'est à cause du conformisme ambiant, on va dire. C'est-à-dire, quand je dis ça, c'est-à-dire la publicité, malheureusement, lance pas des tendances, n'invente pas des tendances ou de moins en moins. Aujourd'hui, elle procède avant tout par récupération, par recyclage, par appropriation de choses qui sont dans l'air du temps, qui marchent. Et ça, malheureusement, souvent, c'est la façon la plus évidente d'aller vers le plagiat et vers le manque d'originalité. J'ai pris juste quelques exemples. C'est-à-dire, il y a eu cette mode des selfies, et puis la mode des emojis, des drones, des filtres Instagram, enfin je pourrais citer tout un tas de choses comme ça. Si les créatifs prennent ces éléments pour dire je vais essayer de faire quelque chose d'original, c'est déjà une manière de partir assez mal, puisque après on va arriver tous à faire des choses qui se ressemblent de cette manière-là. Et ça c'est assez vrai aussi par rapport aux étudiants. Ils ont souvent peur d'être à côté de la plaque, de faire quelque chose de ringard ou qui ne soit pas dans l'air du temps, et ils se précipitent dans des schémas de trucs qui marchent. Et puis dernière raison parce qu'on n'a pas le temps de tout évoquer, c'est à cause du manque de culture publicitaire des créatifs, à cause de l'âge des créatifs, je dirais, en fait. J'ai constaté, et c'est la moyenne d'âge en agence des créatifs en France est entre 20 et 35 ans. J'ai été faire une conférence récemment dans une agence digitale. J'ai demandé, parce que le public me semblait très jeune, enfin ici aussi je pense que le public est assez jeune, mais là c'était vraiment très jeune. Et j'ai dit, mais qui est le plus âgé dans cette salle? Le plus âgé, il avait 34 ans. Et c'était le patron de la boîte, ils étaient une soixantaine. Donc effectivement, souvent, on se rend compte en agence qu'il n'y a pas énormément de créatifs assez expérimentés pour avoir du recul. Malheureusement aussi, l'expérience n'est pas hyper valorisée. J'ai vu des créatifs de la cinquantaine qui étaient rapidement mis de côté, traités de ringard, de has-been. C'est un métier hyper difficile dans lequel... On demande aux gens d'être très, très créatifs, très en prise avec l'air du temps, aujourd'hui qu'il faut être digital native, etc. Mais ce qui fait que les gens n'ont pas ce recul, n'ont pas eu le temps de se forger souvent une culture publicitaire nécessaire. Donc là, je vous montre un exemple, c'est une publicité qui est sortie il y a quelques années pour Porsche, qui a été faite par un team créatif relativement jeune. Et puis, tout le monde a trouvé ça formidable, c'est très simple, c'est une belle idée, on dit voilà, la voiture elle va tellement vite que finalement on n'a pas pu la photographier. Ils ont cru qu'ils avaient fait une idée neuve, parce qu'ils n'avaient pas copié, je pense, je les pense sincères, mais en réalité, c'est une idée qui avait déjà été faite et refaite dans les années 80.
C'est-à-dire, alors, eux, ils avaient cette excuse, ils vont dire, bah, on n'était pas nés ou on était trop jeunes, parce que certainement qu'ils étaient, ils étaient gamins, ils étaient bébés, donc moi, je veux bien croire qu'ils ne l'aient pas vu. Mais après, ils n'ont pas eu le temps ou ils n'ont pas eu la curiosité d'aller regarder ce qui avait été fait à cette époque. Et en plus, malheureusement, j'entends trop souvent dire « mais on ne va pas s'emmerder à regarder des trucs des années 60, 70, etc. » De toute façon, c'est ringard. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Aujourd'hui, on fait les choses différemment. Bah, dans bien des cas, on ne fait pas les choses tellement différemment. Alors, est-ce que copier peut être acceptable? Ça, c'est une question qu'on m'a posée dans pas mal de conférences. Et c'est vrai que moi, a priori, évidemment, je suis complètement opposé à ça, mais en y réfléchissant, il y a quand même trois cas de figure dans lesquels il me semble que c'est possible de le faire. Alors, il y a dans le cadre de l'apprentissage, évidemment, il y a des pays dans lesquels c'est beaucoup plus valorisé qu'ici, mais notamment en Asie, on apprend beaucoup au départ par la copie. Et puis, c'est une manière ensuite de trouver son propre style. D'ailleurs, c'est ce que disait David Ogilvy dans son livre. Il disait c'est un réflexe normal d'imiter et ça peut même, dans un premier temps, être stimulant. Donc oui, d'accord, si ça reste dans le cadre des études pour arriver à atteindre le niveau des gens qu'on admire. D'accord. Deuxième raison, quand la copie n'est pas cachée. Il y a des cas, il m'arrive de trouver des cas assez invraisemblables comme celui-là. C'était un truc, je ne vais pas vous repasser le film, on n'a pas le temps, mais c'était un grand prix à Cannes en 2013, un film avec des petits personnages comme ça, qui a été fait en Australie. Et il y a exactement la même chose qui a été faite au Canada avec les mêmes personnages, en reprenant les mêmes films, au Canada en 2014. Donc il y a des gens qui m'ont signalé ça, qui me l'ont envoyé, qui m'ont dit « il faut absolument que tu le mettes sur ton site, c'est un scandale et tout, c'est vraiment une copie, un plagiat incroyable ». Et en faisant une petite enquête, justement, en essayant de voir comment, qui avait fait ça et pourquoi, il se trouve qu'en réalité, ils avaient marqué clairement sur leur site et sous leur vidéo qu'ils avaient racheté l'idée à l'agence australienne et l'agence et la maison de production avaient accepté de revendre leur idée. Alors ça semble complètement farfelu, c'est bizarre, mais en réalité, le spot canadien est passé à la télé et était destiné à un public qui n'avait pas du tout été impacté par ce film, qui évidemment a eu un grand succès dans notre milieu à nous, mais qui n'avait pas été vu dans le pays. Donc c'est une manière de procéder que moi, je trouve assez ridicule, surtout de la part d'une agence. Je trouve ça un peu paresseux, mais il n'y a rien de condamnable. Et puis, troisième chose, la dernière chose, c'est quand on amène une valeur ajoutée. C'est-à-dire, ça, par exemple, on me l'a envoyé, on m'a dit, il faudrait que tu le mettes sur ton site. Et moi, je ne l'ai pas mis parce que, après réflexion, j'ai l'impression que, bien que ce soit une idée relativement identique, c'est pour des croquettes pour chiens allégés. Le chien a tellement maigri qu'il ne tient plus dans sa peau. Pour moi, dans ces deux publicités, la mise en scène est différente. Il y a un élément qui a été rajouté d'anthropomorphisme dans celle de droite qu'il n'y avait pas dans celle de gauche, il y a une attitude du chien, il fait quelque chose avec son pantalon que l'autre ne faisait pas, etc. Alors après, c'est plus ou moins subtil, il y a plus ou moins de valeur ajoutée qui a été amenée, mais moi je pense qu'on ne peut pas dire que c'est exactement la même chose. Et donc ça, pour moi, c'est un peu le seul cas de figure où on peut se dire, il ne faut pas s'interdire a priori de ne pas reprendre une vieille idée, mais on peut la reprendre uniquement si on est capable d'y amener quelque chose. Et ça, c'était vraiment ce que je pense que ce qu'avait essayé de dire John Egarty. Il disait, de toute façon, on ne peut pas vraiment faire quelque chose d'original aujourd'hui. Tout a déjà un peu été fait. Mais on peut au moins essayer de faire en sorte que les choses apparaissent neuves, apparaissent fraîches et qu'on ait l'impression de ne pas les avoir déjà vues. Pour finir cette intervention, et en fait parce qu'on me demande toujours mais alors comment on fait si on veut éviter de faire du plagiat, quelle est la recette, qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil? Alors évidemment, il n'y a pas de recette miracle. S'il y avait une manière de faire pour être sûr de ne pas faire de plagiat, j'aurais monté une agence et puis je serais milliardaire, mais ce n'est pas encore le cas. Et par contre, il y a quand même des attitudes à adopter qui peuvent limiter le risque. Alors première chose, et ça peut sembler enfoncer une porte ouverte, mais déjà, il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas et comme si ça risquait pas de nous arriver. Deuxième chose, c'est avoir un niveau d'éthique, d'honnêteté qui soit toujours au niveau, parce que, évidemment, comme ça, quand je vous dis ici qui est honnête, vous allez tous me dire « je suis honnête ». Après, si je dis « qui a jamais téléchargé un film illégalement dans cette salle ?» Déjà, je pense qu'il y en a un certain nombre qui l'ont fait. Et dans le milieu professionnel, c'est un peu la même chose. En réalité, au départ, on est honnête. Et puis, comme je vous disais, à cause de la pression, à cause de la concurrence, à cause des coups bas des collègues, il y a toujours un moment parce qu'on a besoin de se faire voir, parce qu'on a besoin d'exister, parce qu'il faut absolument décrocher des prix quand on est créatif. Et parce qu'il faut livrer un truc pour le lendemain, il y a un moment où vous allez être tenté de plagier un truc ni vu ni connu, je t'embrouille, pas vu, pas pris, quoi. Donc ça, ce qui est hyper important, c'est d'être honnête et de s'y tenir. Ensuite, c'est de se faire une culture publicitaire, mais là, alors, les avis sont... Il y a deux avis complètement divergents. Il y a des...
directeur de création qui préfère embaucher des gens qui n'ont pas de culture publicitaire, qui viennent d'autres domaines de la publicité. Ils préfèrent prendre des DA qui sont très forts en street art, en surf, en plein d'autres choses, parce qu'ils se disent qu'ils vont venir nourrir l'agence avec leur univers, et tant pis s'ils y connaissent rien à la publicité, parce que comme ça au moins, ils n'auront pas la tronche polluée. Et puis il y a d'autres directeurs de création qui préfèrent engager des gens qui connaissent le secteur sur lequel ils arrivent, et puis il y a des mecs qui sont vraiment j'en ai vu, qui connaissent tous les annuals et tous les lions à Cannes par cœur depuis des années, mais avec le risque du coup démultiplié que il y ait de la réminiscence inconsciente, comme on a dit tout à l'heure. On ne peut pas faire des choses originales si on se contente de résoudre des problèmes. Et souvent, en agence, vu la complexité des sujets, on se dit déjà, si j'arrive à résoudre le problème, c'est un peu comme une équation mathématique, comme un casse-tête, ça sera déjà génial, quoi. Puis dernière chose, il faut faire des piges concurrentielles et des recherches d'antériorité. Et ça aussi, pour avoir travaillé dans des grosses agences, j'ai remarqué qu'on ne le faisait pas toujours et même qu'on le faisait assez rarement. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup.